nous te touchons au point de 2-3 jours qui passaient vers dimanche. Des dimanches que ça a sous les 10 postes les plus manquantes dans l'église aujourd'hui. Nous te touchons introduction. Et texte de base, nous t'es sorti en disant Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Alléluia. Donc, je vais demander à ces sous-disciples de lire pour un texte de base là pour nous. Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alléluia. Donc, il dit, « Priez, priez, maître moisson envoyé. » Moisson, nerf, c'est bien ça? Des ouvriers. Mon qui fait moisson des champs. Amen. Merci Seigneur. Nous t'ai gardé des gros forces nos connaître. Des dimanches qui ça. Amen. Et tu vois, il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste, il y a pasteur, il y a docteur. C'est important. Alléluia. Mais nous regardons deux, trois types qui commencent dans l'église. Nous avons joué une salle à l'Union. À l'Union évangéliste, mais moi, je préfère toucher un petit point à pécher ou d'homme. Premier point. Jésus, à l'Union Matthieu, chapitre 4, verset 18 à 19. Comme il marchait le long du chemin de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Qui fait quoi? Qui jetait un filet dans la mer. Car il était qui s'appelait pêcheur. Et il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'homme. Pas qu'il pêche poisson encore, mais pour qu'il pêche d'homme. Donc, pour qu'il pêche premier pétard, il faut qu'il y ait pêcheur d'homme. Je dis, ce n'est pas évident pour nous jouer des pêcheurs d'homme. C'est vrai. Au cas aller pêcher non. The difference between a fisherman and a fisher
of men and fishers of men, sorry. La différence entre un pêcheur, un pêcheur marin, et des pêcheurs d'hommes. Est-ce que ça dépend de qui différence des années? Une capuche en été et une capuche en jour. Il y a une capuche en été et une capuche en jour. Qui s'en a qu'à dire? Il y a une capuche poisson et une capuche non. Il y a une capuche poisson et une capuche non. Voilà. Qui s'en a dit encore? Qui s'en a remarqué encore? Il y a un capuché poisson pour manger, il y a un capuché lame pour laver ton nez. Donc, nous allons regarder qui est-ce qui prie pour répondre ça. Merci. Alléluia. The difference between a fisherman and fishers of men. Alléluia. Vous regardez la différence entre pêcheur et le pêcheur d'or. A fisherman catches lively fish to kill and to use for food. Un pêcheur attrape des poissons vivants pour les tuer et se nourrir. Poisson des poissons, c'est pas ça. L'eau tue, ou à main est vivant. L'eau tue, ou à tue est vivant. Et vous tuez, vous nourrir. Pendant, fishers of men catches dead men to give them life for the good use of the kingdom of God. Les pêcheurs d'hommes attrapent des hommes morts pour leur donner la vie pour le bon usage du royaume de Dieu. Nous savons un monde, normalement, lorsque nous avons dit dans le monde, nous sommes morts en péché nous. Nous sommes morts en vivant la vie que nous devons vivre. Et pas de personne qui te croit vivant parce que nous. C'est pas vrai. Hein? L'homme qui a venu parler du bon Dieu, c'est vous qui n'avez pas la relève. C'est nous qui n'avons pas la relève pour nous tuer. Qui m'a dit nous ni pour Dieu. Mais en fait, ça y est, regardez nous faire, nous ne pouvons pas faire sa pièce. Ça veut dire que nous croyons que nous te connaissons bon Dieu, mais en réalité, nous sommes morts empêchés nous. C'est grâce à nous, notre Jésus, nous avons reconnu. Nous sommes bien morts en péché nous. Et merci bon Dieu pour le monde qui t'a annoncé nous l'évangile. Comment est-ce qui regrette quand le monde t'a annoncé l'évangile? Ou pas ça, je veux ça. Amen. Si le monde regrette quand le monde t'a annoncé l'évangile, ça veut dire que le monde a pour que vraiment le monde t'a dit. Amen. Donc il est important, amis, pour nous voir différenciant. À nous prendre l'autre verset, à nous prendre l'autre texte. Regardez ça à Luc 5, verset 8 à 10. Amen. Et quand Simon Pierre eut vu cela, il se jeta aux genoux de Jésus. En lui disant, Seigneur, où es-tu toi de moi? Car je suis un homme pécheur. Parce que les fouilleurs l'avaient saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la prise des poissons qu'il fait quoi? Venez des fers. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée,
Oui. Zébédée, c'est ça? Qui était quoi? Compagnon de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'aie point d'effrayer, de peur, n'aie point de peur, pardon, prenez le verset. N'aie point de peur. Dorénavant, tu seras un pécheur d'homme vivant. Certains disent au pécheur d'homme, mais nous allons expliquer au pécheur d'homme vivant. Comment on peut tuer un homme vivant la terre pour Idala? Là, nous devons comprendre. Cette version-là, un pécheur d'homme vivant. Toutes les restes pas. Nous avons un bon Dieu qui a pour être un pécheur d'homme. En dit, il a pour être un pécheur d'homme. Et qui s'est dit dans la verset 11? Verset 11. Et quand il y a un homme, nous va dire non. Nous dit, et bien il y a. Parce qu'il y a différentes formes de péchés
Mais oui. Amen. Et ni péché avec l'île, car la pêche. Amen. Et ni nas, et ni filet, et ni salon qui a ni monde qui a péché pour l'année. Amen. Et ni apon, et ni fizi, et ni casé, et ni tout ce qu'a dit non béni. On connaît ton tombine, mon grand homme. Là, il est péché, on connaît ses cocons. C'est toi, mais il est appelé. Comment il a fait fouiller, il a fait fouiller avec qui a attendu tout un bagnon qui a un grand gel même. Il a appris, il a fait là avec l'air, là il a essayé, il a brisé là, il a pris un linge, il a volé les bois, pourquoi il a volé avec le connaît comme Marou, il a pris ça, il a volé le linge là, il a juste là, il a volé, il a volé avec l'air là, vous savez, il a fait fouiller là, il a comme un grand vétier. Et quand il y a la vie, il y a un gars qui a été là. Et quand il y a des mères, et quand il y a des gourmettes, quand il y a des mères, il y a des gens qui ont été là. Quand il y a des gens qui ont été là, et quand il y a des gens qui ont été là, et quand il y a des gens qui ont été là, et quand il y a des gens qui ont été là, et quand il y a des gens qui ont été là. Donc, il y a une sous-cadre, nous devons connaître la pêche. Amen, qu'on prenne l'autorité même pour tuer les habitants avec son domaine, tout ce qui est en bas la main, et pas les yeux en bas roche. Mais oui, voilà, c'est pour ça que c'est des bouquins à cause de l'on a. Mais nous, là, où est-ce que tu as des pêches en fait? Donc, l'idée c'est comment nous avons fait mener des âmes. Et nous, j'ai appris à ça. Pêcher, c'est pour aller chercher, pour mener vini. Et l'Éternel a regardé nous comme des pêcheurs d'hommes, des noms qui caissent à aller, et veulent aller mener nos vini. En disant, voyons-le, parce que le Seigneur brise les yeux. Nous regardons, bien-aimés, il y a beaucoup de monde qui sont morts en disant pêcher. Il y a des gens qui ont quitté la terre, qui ont venu, quitté le monde là, venu, avec par rapport à des problèmes du monde là, qui ont rien de mieux à aller. Ils ont découragé, problèmes, difficultés, comme Matthieu 13 qui a dit nous. Matthieu 13 qui a joué un rôle important à la vie des chrétiens. Comme quelqu'un qui tombait par route là, avec son oiseau, manger, il n'a pas dit tant. Faire racine, on a une telle parole là, mais quand ça a une telle parole là, les liens à l'unique à tirer. Alors, il dit qu'il a tombé en parmi roche, et qu'il a dit beaucoup de racines, les reins sont élevés, il a mort. Il dit que c'est le monde qui a une telle parole là, mais il n'a pas tenu racine à l'unique à même. Mais qui est découragé avec le temps, des difficultés, il est découragé. L'autre tombé en parmi épines. Le soleil a levé, il grenant bien levé, mais l'œil de coupant des feuilles tout fait. Ça c'est des hommes qui grandissent, qui viennent en Christ. Mais l'œil vini en Christ par rapport aux soucis et les siècles et les problèmes. Et même pendant les riches, les séductions, voilà, et les richesses des mondes, il dit qu'il tout fait par là. Ça veut dire qu'il dit ça qui est venu, mais lorsque l'ennemi, et même comment c'est joué dans l'avion. Et bien, bon Dieu, ça c'est un monde qui m'a dit pour racine. Et bien, bon Dieu, il était ouvert la porte qui bénit. Et après, il bénit, mon âme découragé. Il a commencé à garder une richesse, il n'y a pas de temps pour Dieu. Allez, on comme ça. Amen. Mais il y a une dame qui tombe dans le pot et qui te porte des fruits, 60, 30 et 100. Ça c'est des hommes qui debout, et qui debout faire, mais quel que soit le problème, difficulté, il y a là. Il va te dire. C'est vrai, puis c'est vrai. Qui ça nous a fait pour tout ce monde? Et même qui y ont côté mon l'autre, ils ont trouvé découragé, difficulté, problème, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Est-ce qu'elle nous a pris un petit temps pour aller chercher eux? Est-ce qu'elle nous a pris un petit temps? Et même, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le rôle des pasteurs. C'est pas mon rôle. Voilà
les questions, voilà les réponses, et voilà ça nous attend. Mais regardez ça, Jean chapitre 1, verset 16, dit nous. If any man see his brother sin, a sin which is not unto death, he shall ask and he shall give him life. For him that sinned not unto death, there is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. Si quelqu'un vit son frère, 1 Jean chapitre 5, et verset 16. Si quelqu'un vit, il dit non, son frère péché de péché qui n'est point à la mort. Qui fait que ça, qu'il prie pour lui. Ça va faire? Ou quand? Prie pour lui. Amen. Et Dieu lui donnera la vie. Et même savoir à ceux qui ne pêchent point à la mort. Est-ce que ça? Ou alors mon péché à la mort parce que ça vivre. Donc, il y a un péché vraiment. Alléluia. Il y a un péché à la mort. Je le dis point que de prier pour ce péché-là. La nouvelle l'air nous passa fait ailleurs et en fouet. L'air est blasphémé contre le chef d'esprit. L'air qu'on a qu'à. Quand imaginons le monde qui a parlé mal du Saint-Esprit. Ou pas s'amener à la vie. Voilà. Nous sommes péché d'homme. On a compris l'air dit péché d'homme vivant. Vous comprenez maintenant? Voilà. Ça veut dire, en fait, il est mort en Christ qui ou éloigné du bon Dieu. Amen. En disant, Romains chapitre 3, 23, qu'il dit, car tous ont péché et privé de la gloire de Dieu. C'est ça, la mort. La mort, c'est privé de Dieu, séparé de Dieu. Nous, il privé l'électricité. L'électricité venue. C'est ça, en fait, pour chaque affaire. Donc, il mort, nous dit, il éteint lumière. Et bien voilà, Dieu appelez-nous aller prêcher pour le monde qui perd contact avec mon Dieu. Ça nous a croyé la mort passer à sous tout le monde. Tout le monde a brisé le monde pour vivre éclairé encore à sous mon chemin. Et même les confrères nous tomber et égarer et qui viennent loin de Dieu aussi nous les pour aller vers lui. Allez parler. Libérez à la prochaine, réparer la vie. Nous là pour aimer le monde, jouer la vie. Et la vie que nous a joué, c'est en nous, Jésus-Christ. À Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et lorsque vous étiez morts, en vos fautes et en vos péchés. Lors dis-je que nous étions morts à nos fautes. Nous étions morts à qui ça? À nos fautes. Il nous a vivifiés ensemble avec Christ par la grâce duquel vous êtes sauvés. On m'a dit ça pas moins aussi maintenant. Lui c'est bon. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ouais ça. Donc est-ce que nous avons péché aussi? Et qu'a tué nous? Don't say
pourquoi l'Église nous nie pour aller pécher non. Donc c'est pourquoi on dit, nous avons péché non mort pour y avoir la vie. Nous qui sommes morts par Christ, on nous a péché par nous. Et à cause des paroles de là qui rendent nous vivants encore, et bien nous n'y pour aller faire même par nous. Lis Colossiens chapitre 12. Colossiens chapitre 12. Believe in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God. Colossians 2:12. Colossiens 2, verset 12. Who have raised him from the dead, and you being dead in your sin, and the circumcision of your flesh, he have he quickened together with him, having forgiven you your trespasses. Étant enseveli avec lui par le baptême, en qui aussi vous êtes ensemble ressuscités par la foi de l'efficacité de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Verset 13, et lorsque vous étiez morts par vos offenses et dans le prépuce de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. Amen. Même là, nous sommes morts. Il pardonne nous toutes nos offenses, nous. Il vient où nous vivons. Pas ça, dit-nous. Et bien, c'est là, bien-aimé, et bien, c'est ça que Christ a appris nous à faire. Aller au monde vivant encore. Parce que pays a plus nous quitter pays à mort, plus pays a des problèmes, et plus monde mort autour de nous, plus nous-mêmes qu'il y a des problèmes. Vous pensez à ça? Parce que si l'Église parle des jours du jour, et bien évangéliser, ces problèmes-là, plus monde mort autour de nous, vous pensez, oui, c'est pour ça que le monde mort est obligé de dire oui. Pourquoi il va dire oui? Ah non seulement qu'ils sont dit que tu es nous tous. Amen. Eh bien oui, parce que si chaque monde qui m'a occupé de même côté, on dit moi, mais il tombe, c'est fort qui m'a accueilli, c'est fort qui. C'est là qu'il vous consomme, c'est là qu'il vous dégaille. Qui a demandé de nous dégailler? Amen. Eh bien nous tous déjà morts. Eh bien, le monde m'a attiré. Eh bien, Jésus, ça y fait nous. Et voyez-nous aller ressusciter encore par la vie. Amen. C'est juste mon qui a marché, mais c'est corps et lui, mais pas même ça n'est pas mort. Parce qu'il privé de Dieu. Il privé des gloires de Dieu. Amen. C'est ça qu'on a prié dans le livre. Maman vivant. Amen. Eh bien, c'est ça. L'évangile a fait nous ça. Nous avons un mandat de bon Dieu pour aller chercher ce monde-là. Pour aller prendre. Dieu appelle nous pécheurs d'hommes. Et c'est pareil. Et il a marché ça. C'est pas ça, il a marché dans l'église. Si vous regardez, moi j'ai remarqué que Dieu appelle nous tous à aller pécher d'hommes. Mais dans le monde entier, il n'est plus pasteur parce qu'il n'est plus évangéliste. Pas de magasin. Pas de bien non. Combien de pasteurs vous connaissez Martinique? Combien d'évangélistes vous connaissez Martinique? Combien d'évangélistes vous connaissez Martinique? C'est vraiment un évangéliste qui a évangélisé et nous connaît qui a bouleversé Martinique. Un évangéliste. Yo. Amen. C'est donc ici, c'est forcé par un septicien, pas Martinique, mais par l'oniste Martinique. Donc au moins nous n'y un septicien. Mais Martinique pas dit. On va dire qu'il dit l'homme est mais où l'homme est. Et c'est pas Martinique. On parle de Martinique. Et bien voilà, bien aimé. Est-ce que nous parlons que Christ, nous n'y avons aucun problème?
nous avons un gros problème. Boli, vous parlez de Boli, Boli toujours par Martinique. Mal et Boli viennent travailler ici. Et oui, mais Boli par Martinique. Donc la Martinique, nous n'y avons un problème. Nous n'y avons un problème. Est-ce que nous avons élevé un trois pichons d'hommes? Yon qui lit, on l'a mis pour l'âme, et pour chercher ce nom-là, et pour évangéliser, pour bouleverser la Martinique. Bien aimé, nous tous passons les mêmes bails à café, mais Dieu est capable de nous pour les vies, et pour nous chercher des hommes, pour Christ. Parce que nous, à appeler, regardez, à mener qui ça? La vie, c'est pas vrai? La vie à mon qui mort. Nous avons péché le mort, mais il faut que, en travers nous, lorsque nous pouillons, c'est pas nous qui avons la vie, hein? Mais en fait, là nous pouillons, Christ a vivé par la vie. Amen. Donc Jésus qui attend nous, c'est des mondes, des porteurs de vie. Ou qui porter vie par nous. Amen, alléluia. Lorsque les frères foi, même foi qui tombe, il dit au cas qui ça, au cas vivre by la vie. Amen, alléluia. Est-ce que ça Christ fait nous des portants de vie, des mondes qui calment les vies par les autres? Est-ce qu'il y a des pécheurs d'hommes dans la Christ qui a gardé des hommes qu'il a? Mais moi, il m'a dit en fait. Alléluia. Pour changer bien qui ça Jésus dit. Jésus dit, c'est ça manière dont nous allons porter fruit. Si nous marchons en lui-même. C'est bien ça. Amen. Si vous ne marchez pas en lui-même, marchez en vignon, on ne va pas porter fruit. Et dit, c'est là où habiter en Eden, où apporter beaucoup de fruits. N'est-ce pas? Mais moi, il m'a dit, en fait, pour nous pas la vie à un monde, il faut connecter à l'âme de vie. Parce que si nous pas connecter à l'âme de vie, comment? Ou peut pas la vie. Vous comprenez? Donc, c'est là que nous parlons pour paix. Donc, ce qu'on connecte à la vie, automatiquement, quand on passe, on gagne la vie. Et oui. Et il était en offre de vie toujours pour chrétiens. Pas trop longtemps, nous t'ai gardé. Alléluia. Après vite à la vie de Genèse, chapitre 2, verset 9. Le bon Dieu t'a créé en après vie. Ami très jardin, hein, et qui t'a fait grandir. C'est pas vrai. Pourquoi changer ça? En disant le mystère entre l'homme et la femme dans les jardins du plaisir. Voilà. Le droit pour Dieu, c'est créer cette âme qui n'est pas la vie pour nous. Genèse 2, verset 9. Mais à cause de l'homme tombé, l'homme s'est privé de la vie de l'âme. Nous voyons en disant Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. L'homme péché. Bon Dieu, chassez-vous. Et puis bon Dieu, mettez. Il ferme côté à la porte là. Et il dit, mettez un ange qui a surveillé l'âme de vie tout autour. Comment nous allons faire? Merci à Jésus qui est mort. Et qui prend nous moyen par l'esprit ni accès à l'empire toujours.
Jésus, il c'est un bon Dieu. Mais maintenant, alléluia. Ce n'est que par la sagesse que nous pouvons avoir accès à la vie. Par quelle manière? Par la sagesse. Only through wisdom that we can have access to the tree of life. Proverbe chapitre 3, verset 13 avec 4. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Oh, que bienheureux est l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui met en avant l'intelligence. Ou dans ça, ou heureux, l'homme trouvé sagesse et qu'on met en avant l'intelligence. Ça veut dire que nous avons commencé comme nous l'avons dit, ou pas, dis-moi, on va garder l'intelligence, soit la vie. Moi, j'ai l'intérêt de comment nous l'avons dit ça. Voilà. Car le trafic qu'on peut faire d'elle est meilleur que le trafic de l'argent. Qui ça? Trafic qu'on peut faire de sagesse est meilleur que l'argent. Et pour l'instant, bien souvent, le monde comprend que, ou pas comprendre qu'il y a eu beaucoup de sagesse. Et bien, en fait, les sagesses qu'on aurait utilisées, c'est pour trafiquer l'argent. Et là, il y a nous, trafic ou péché avec la sagesse, mieux que. C'est pas vrai. Donc, l'homme de sagesse, priorité, c'est pas pour gagner l'argent. Continuez. Et le revenu qu'on peut avoir est meilleur que le fin or. Vous entendez ça? Revenu de sagesse est meilleur que l'or fait. Ça veut dire que, on va aimer des corps qu'on va chercher, il y a qui délâche ça parce que vous êtes. Non, parce que sagesse même, il n'est plus richesse que ça. On va enlever vous. Elle le dit. Sagesse, il n'est plus richesse que ça. Elle va regarder jusqu'au dégât. Elle est plus précieuse que les perles et toutes ces choses désirables ne la valent point. Vous êtes ça? Plus pressé qu'elle peut être à toute la veille qu'on désire, il n'y a pas de ça, non. Voyez, je vais continuer. Il y a dans de longs jours qu'on sa main droite. Ouh! Alors, avec la clé, il dit de longs jours, des domaines gauche, des richesses et de la gloire en sa gauche. Automatiquement, sous les sagesses, au cas de tout. Gardez vous être sous les sagesses. Ou gagner tout. Et oui, si nous les sagesse, nous gagnons tout. Parce que, à la même vie, il dit la vie, à la même bachelie, il dit oui, chasse et gros. Donc, pourquoi on gagne tout qui est qu'on gagne chercher et laisser sagesse là pour chercher? Parce que sagesse là, il est permis qu'elle nous dit, nous dit ça. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers ne sont que prospérité. Oui, voies et voies agréables, tous sentiers et les prospérités. Allons-y. Elle est l'arbre de vie à ceux qui l'embrassent. Bon, il sait qui ça? Il sait l'arbre de vie. Pour ceux qui la saisit, pour ceux qui l'embrasse. Est-ce que vous bon Dieu quand même accès pour l'âme des vies? Ils sont un âme de vie pour ceux qui l'a. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet qu'elle nous ait la vie et pour nous la transmettre par l'autre. C'est sagesse. Est-ce que vous comprenez ça bien? Donc, si nous sommes une même personne, il faut qu'elle nous ait accès à l'âme de vie. Viens dire ça. Elle a eu un arbre de vie. Un arbre de vie, oui. Pour ceux qui la saisissent.
sont heureux. Moun qui possède yo. L'Éternel a fondé la terre et la par la sagesse. Et il a disposé les cieux par l'intelligence. Oui. Les abîmes se débordent par sa science. Oui. Et les nuées distillent la rosée. Mon fils, qu'elle ne s'écarte point de devant tes yeux. Garde la droite connaissance et la prudence. Et elles seront la vie de ton âme. Elles seront quoi? Elles seront quoi? La vie de ton âme. Est-ce que ça vient? Alléluia. Pas non seulement si on a des vies, mais sachez cela, c'est lui qui la vie dans nous. Est-ce que ça dit la vie dans nous? Sagesse. Donc si on ne parle pas de sagesse, l'homme lui parle de vie. Amen. Où est ça? Nous avons dit sagesse, nous avons dit que tout ça nous a fait. Même ça qui n'est pas bon, nous avons dit que nous avons fait quand même. Nous venons de sagesse, nous venons en Christ. Parce que la crainte de l'Éternel a délivré du mal. C'est pas vrai? Amen. Eh bien oui. Crainte de l'Éternel, c'est pour éloigner nous du mal. Donc nous avons commencé à dire sagesse. Et ça a non plus commencé à s'agit en Christ, plus d'amour, capable de vie. Amen, alléluia. Et c'est ça, en fait, Christ veut nous porter par les hommes, pour n'amour, pour la vie, puis on est sagesse. Continue, allons-y. Et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en assurance par ta voix, et ton pied ne bouchera point. Où est-ce que tu marches en assurance? On va marcher au sûr, alléluia. Là, tout le monde qui arrive comme ça, debout, descend en force, on va chuter. Debout, descend en force, il y a qui s'abattent. En tout cas, ça va maintenant, tu as voyé, je suis en force. Et c'est vrai, parce que depuis, on voit, il vient en force. Ou quand on comprend, tu m'en là. Tout ça, on t'y apprend, il y a lui. Depuis, descend en force, deux, trois jours. Tu vas à l'église, hein? Non, bon bref, bon, tu sais, l'église est tellement loin, pas ici, tout est ici. Et l'homme voulait faire au café. Amen. La montre ici, 92, c'est ici, il était toujours comme ça. Il dit, ah non, Martinique, tout le monde est de quoi, oui, il veut Martinique, coucher. Amen. J'ai toujours mon négatif de Saint-Esprit. C'est mon débat à faire. Quand il veut manger de quoi acheter, il a dit, mais non, il est trop fan, il est trop bagage. Ouais, ouais, Bridget. Amen. Amen, qu'elle est dit, moi. Les mois, il faut qu'elle dit, force à force. Elle est partie où je vais aller. Autant. Yo, c'est ça, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Ah, mais c'est là à l'autre bas, mais c'est là et sur les autres. Qui moun ou ni à la vie? Amen. Ou qu'a servi qui moun? Ça ou t'étonne là? Par qui moun ou t'étonne? Est-ce que son nom qui te parle là? Et bien, est-ce que c'est pour Dieu qui parle là? Amen. Donc, moi, je apporte la vie, moi, je parle pour qu'il y ait un contaminé. Et bien, c'est ça nous la pour faire sauver, c'est aller porter la vie par nous, mais nous-mêmes nous pour connecter à la vie. Et lorsque nous connectons à la vie, et bien nous avons venu au pécheur d'homme qui a mené la vie par nous. Alors, allez, continuez. Merci, 24. Si tu te couches, tu n'auras point de frayeur, et quand tu te seras couché, ton sommeil sera doux. Tu vas doux, ça? C'est l'heure de nous connecter à l'âme de vie, toutes ces manières qu'on a fait. Sagesse. Amen. Vous passez à dormir la nuit, ça c'est sagesse. Vous pouvez dormir la nuit. Ouais, alléluia. Amen. On dit problème, démarcher, ou pas sûr. Cherchez sagesse. Et qu'est-ce que ça tient de vous? Gardez bien. Gardez ça. Avant de fermer. Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbe
Proverbe 11, verset 30. Regardez ça bien. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Bon, le fruit du juste, c'est un arbre de vie. Un arbre de vie. Ça veut dire que fruit normal qui juste là, c'est un arbre de vie. Oh là 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 là. Est sage. Aïe, aïe, aïe. C'est un homme qui est sage. Donc, quand tu passes l'examen, quand son acte de vie, ou qu'a par la vie, et ou qu'a guéri des âmes. Est-ce que nous devons vous connecter à l'univers acte de vie, si nous voulez, de faire quoi? Nous aider, pécheurs. Donc, qui mon nom, on est capable de nous aller et qui a porté la vie par eux. Nous faisons un constat. Alléluia. Nous regardons juste là. Amen. Proverbe chapitre 11. On lit ça. Alléluia. Proverbe 11. Les fruits du juste. Fruits juste là. C'est ça qu'on va gagner. Le mot juste. Righteous. The righteous. Amen. Et sorti du mot hébreu. Tax. Dek. Sardik. Sardik. Qui. Just, lawful, righteous. Juste, légitime ou licite et vertueux. First, just, righteous in government. Juste, droit dans le gouvernement. Just, righteous in one's cause. Droit, juste dans sa cause. Just, righteous in conduct and character. Droit, juste dans la conduite et dans le caractère. Righteous as justified and vindicated by God. Juste comme justifié et qui a été défendu par Dieu. Oui, ça bien. And right, correct, lawful. Droit, correct, licite. C'est-à-dire bon selon la loi. Est-ce qu'elle nous juste? Vous voulez un point encore? Est-ce qu'elle nous juste? C'est juste, l'elle nous juste, nous caline. Just, righteous in government. Juste, droit dans le gouvernement. Est-ce que le gouvernement nous juste? Est-ce qu'elle nous doit? Est-ce que. Lorsque nous, bon Dieu, mettez-nous en pouvoir pour faire certains bagailles, est-ce qu'elle nous juge? Est-ce qu'elle nous a jugé bien? Est-ce qu'elle nous a gouverné bien? Just right in one's cause. Juste dans sa cause. Ou traite de cause où? Est-ce qu'on soit un monde qui traite? Just right in conduct and character. Droit juste dans la conduite et le caractère. Dans la conduite et caractère. Est-ce qu'elle nous traite à nouveau conduite nous et caractère? Ah, touchez-nous, pas toucher caractère nous. Non. Amen, bien aimé. Donc si nous voulons être un homme juste, regardez-nous comment nous sommes juste. Righteous are justified. Juste comme justifié et défendu par Dieu. Vous êtes justifié par la foi. Grâce à Dieu. Ça veut dire Christ.
maudite là, c'est Christ leur demande pardon, qui a nettoyé, qui a purifié, qui a lavé et qui a mis comme si tu veux, pour ne pas jamais faire rien, qui a mis à part comme si tu veux. Ici, c'est pour un mauvais monde, il ne sait pas jamais faire rien qui n'est pas bon. Ça, ça va bien vous justifier. Tu es là, bon Dieu, tu as défendu. Il y a des gens qui sont coupables, mais ils ont décidé, ils ont dit ici, lorsque nous gardons Kaye, c'est pour eux. Ils ne sont pas obligés de faire ça, mais c'est ça, peut-être c'est ça qui les a. Mais nous avons gardé ou pas coupable. Amen. Pas de prison pour vous. Et vous savez que c'est ton cas prison. Pas de prison pour vous. Amen. Et qui a gardé ou qui a gardé ou? Non plus, casier, tu dis c'est où? Pas qu'à salir. Bah, regarde. Amen. Donc, il y a un loup, juste. À deux mois, on n'est pas obligé, content. Partir avec cela, c'est pas vrai. Mais vous savez, vous, ou content. Et bien, c'est ça Christ qui a fait. Et c'est ça Christ qui attend, nous aller et faire, porter la vie par nous. Délivrer vous et pour vous finir juste, pour vous saluer même droit à l'identifier à des vignes et pour vous saluer la vie. Dernier texte avant de venir. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Accès à l'arbre de vie, bien-aimé, seulement les vainqueurs qui peuvent manger en dedans. Vous voyez ça bien? Oui. C'est lui qui vaincra. Parce que la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles, hein? Entendre ce qui dit. Aïe, aïe, aïe. À celui qui fait quoi, je donnerai à mon Dieu l'arbre de vie qui. Deux. Ouais, juste côté hier, pour lire avec moi, c'est. On va dire merci Seigneur. Alléluia. Donc il toujours, parce qu'à chaque génération, il gagne l'âme de vie. Mais en fait, physiquement, nous n'avons pas accès à lui. Mais spirituellement, par Jésus-Christ, il n'a pas nous accès pour nous manger si nous dit sagesse. Pas de ça. Et pourquoi il y avait ça? Parce qu'il veut nous dire la vie. Et bien, c'est cette sagesse qu'il nous dit, nous pouvons s'aller et faire péché au temps. Parce qu'un monde qui a gagné aux âmes, il fait un homme qui est sage. Pourquoi? Il est plus facile pour un péché tuer un poisson vivant. Parce qu'un homme péché, un homme mort. Amen. Vous allez dire ça encore. Il est plus facile pour un pêcheur tuer un poisson vivant, passer un homme péché en mort. Oui. Poisson vivant, il est toute manière pour prendre, pour attirer. Mais l'homme là qui mort, ou qu'a parlé par lui. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui dans la vie où, par rapport à la vie à Kéonia, pardon, qui a parlé pour relever l'esprit et puis comprendre ça au Kéonia pour parler en toi et en toi et pour faire une résurrection et pour nous parler. Est-ce qu'on va dire ça? C'est pourquoi il y a des gens qui parlent de l'air. Est-ce qu'on comprend ça? Pour décourager les gens, je ne vais pas te dire ça.
Réfléchis sur ça.
Dieu est capable à ce moment. Prions. Seigneur, merci pour appeler nous des pécheurs d'homme. Et papa, nous avons béni nous bon matin. Hein? Pour parler nous, où tu voulais nous ni accès à l'âme de vivre. Papa, pour nous désigner la vie dans le monde, par la sagesse. Par nous, sagesse, il faut qu'elle ouvre chaque chrétien. Côté papa, avec sagesse, nous avons ça, vraiment, Père éternel, ni accès à l'âme de vivre. Et côté, nous avons ça, donner la vie par monde qui est mort autour de nous. Père, bénis chaque fois et essai. Permette, Papa mon Dieu, que vous parlez encore bah, de chaque monde. Et Papa, côté de nous sortir ici, hein? Papa, bouche nous, pas qu'il ferme nous, pas qu'il oublie l'objectif nous. Mais nous allons changer, ou t'es appelé nous pour pécher des hommes. Pour bon usage, Papa, des royaumes. Donc, aimez-nous chacun là. Côté nous qui tiennent à ce que nous avons. Nous qui tiennent, c'est en et que nous jouons nous, nous qui sommes témoignés. Ça, vous faites nous. Nous qui ça fait Dieu. Et Dieu même, qui est venu connaître comme sauveur personnel. Et côté papa, nous qui ça sauvé même comme nous. Et ni accès à la vie pour mener plus de vie en Martinique. Papa, bénis-nous chacun. Et ton contrôle. Bénis l'Église. Lèvez plus d'hommes et femmes dans l'Église qui aille papa pécher des hommes. Papa, bon Dieu, nous ne pouvons pas faire, Seigneur mon Dieu, comme l'ennemi qui a dispersé, qui a détruit. Mettez, nous allons aller pécher. Et mener en dit dans la maison. On dit, allez, voilà rien, avant tout croyant, et mener tout son quartier, même les boîtiers, les années, avec vos maisons en tout. Aidez-nous pour nous servir, c'est ouvrier dans la paix, et bien aller travailler partout, quel que soit. Mais Père éternel, l'ayant élevé, nous savons la vie. Alors Jésus, nous prions pour gloire au Père. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.